Anabu mo mo yo. Les jouisseurs et les jouisseuses. Les courtisans. Les jouisseurs. Les jouisseurs. L'argent du pays. Ah, les enfants, le pouvoir est sucré, hein? Le pouvoir est sucré. Vous comprenez pourquoi les gars ne peuvent pas s'arrêter? Regardez comment le gars est assis. Il est assis et les remets sont en train de lui dire que c'est nous qui pensons que non, il n'est qu'un feignant. En fait, lui, il est l'alpha et l'oméga. Anaï, boli, mono, yeah, yeah. On est dans le bal des courtisans. Le bal des courtisans. Quand vous voyez ça, vous comprenez pourquoi ces gens ne peuvent pas laisser le pouvoir si le peuple ne part pas le bras. Quand vous regardez ça, vous comprenez que la situation du Cameroun n'est pas à la hauteur d'un parti politique. Non. Pour enlever le Cameroun entre les mains de ces gens. Parce que c'est même pour le Cameroun que vous allez enlever entre les mains de ces gens. C'est la survie de vos enfants. Regardez comme ils vivent. C'est ça. C'est pour vivre ce qu'ils sont en train de vivre là. Jouis de la vie. Qu'ils ont transformé le Cameroun en un enfer sur terre. C'est pour les petites bouteilles de Pétrus que vous voyez là. C'est pour la petite arrogance de l'argent du sang. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est l'argent de la misère. C'est des bonhommes qui se lavent à l'argent du sang et à l'argent de la misère. Et pour le petit prestige que vous voyez là, on n'a pas d'eau. On n'a pas de courant. On n'a pas d'hôpital. On n'a pas de pont. On n'arrive même pas à avoir un petit, fabriquer une petite nivakine. Pour qu'eux, ils aient le petit prestige que vous voyez là. Et l'essentiel, c'est de vous plaire à vous. Ils estiment que ça va vous plaire à vous. Ça, c'est l'amour profond du pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'un parti de politique peut libérer le peuple camerounais d'une telle voracité? Non. Un parti politique, c'est pour gérer un État. Un parti politique, c'est pour transformer en eau, en courant, en électricité, en bonheur, les efforts du peuple. C'est à ça que sert un parti politique. Transformer en eau, en courant, en électricité, en route, en pont, les efforts du peuple. Mais lorsqu'un bonhomme a décidé de transformer les efforts du peuple en pétrus, en champagne, en chaussures, en cuir, en musique, en poisson, en chivas, en machin. Quand quelqu'un a décidé de transformer ça, c'est-à-dire qu'il a décidé de kidnapper les efforts du peuple. Parce que là, vous voyez, c'est quelqu'un qui a décidé de transformer les efforts du peuple en des éléments de jouissance. C'est un jouisseur. Basically, c'est un jouisseur. Et autour, vous avez les courtisans de son père. Qui le courtise parce qu'il est le fils du père. Il n'est pas courtisé là parce qu'il a déjà travaillé quelque chose. Il n'est pas courtisé là parce qu'il a une valeur intrinsèque. Il est courtisé parce que les courtisans autour espèrent qu'il va exactement, il doit être là parce qu'il est exactement
La gabegie, le vol, la corruption, qu'il est exactement comme son père, sinon pire. Les courtisans que vous voyez danser là, ils espèrent que si son père donnait un peu, lui va donner encore 10 fois plus. Ils ne dansent pas là parce qu'ils le méritent. Non. Ce sont les courtisans de son père. Un seul objectif, transformer les souffrances, la sueur, le travail des Camerounais, au lieu de les transformer en bonheur, en eau, en courant, en électricité, ils transforment la souffrance et le travail des Camerounais en bouteilles de pétrus, en bouteilles d'alcool, en fêtes somptueuses. En fêtes somptueuses. Le prix de cette petite fête que vous voyez là, qu'il fait comme ça là, en disant wow, 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 continuez la talakou, continuez la talakou. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que les remèdes que vous voyez là. Elles sont pires. Elles représentent le peuple de son village. Pendant ce temps, une maman accouche sur la moto. Vous avez vu ici à la clinique. Pendant qu'il fait ce qu'il fait là, ce n'est pas le problème. Il est à des milliers de kilomètres. Une maman, elle la couche sur la moto. Seulement une bouteille que la reine a tient à la main pouvait installer à un enfant un lit. Pendant qu'elle faisait, une maman accouche sur la moto. Couché sur le carré du RDPC. La couche. Le karma, la malédiction. Pendant qu'ils font ça, avec l'argent du peuple, pendant qu'ils s'apprêtent à vous reprogrammer 25 autres années de souffrance pour la jouissance. Pour la jouissance, c'est pour le basique que vous voyez là. Les petites chaussures, les petits sacs, l'alcool qui est coaché. Pour la jouissance, ils ont bloqué le peuple camerounais dans la misère. Entre-temps, une maman porte le même kaba, mais elle est couchée dans la boue. Elle est couchée dans la boue en train d'accoucher. Elle a accouché dans la boue. Vous avez vu ici, sur la moto, la route part comme ça, la route part comme ça. Finalement, elle s'est arrêtée, elle a accouché par terre. Dans le village de Tamboy. Dans le village de Tamboy. Pendant ce temps, eux, ils mangent ça. Pendant ce temps, les OTS, les enseignants, pendant qu'ils jouissent de la vie à cette manière, les enseignants sont pourchassés dans la rue. Sur plus de 10 ans, d'autres ont déjà fait plus de 10 ans sans même avoir quelque chose à manger. Pendant ce temps, les jouisseurs, vous voyez le parallèle, la différence. Et il y a quelqu'un qui va venir vous expliquer que les enseignants doivent d'abord un peu supporter. Parce que c'est un peu compliqué. En ce moment, le Cameroun a un problème de trésorerie. Quand vous voyez là, vous voyez qu'on a un problème de trésorerie. Quand vous les voyez ces jouisseurs en train de jouir de la vie, vous voyez que le Cameroun a un problème de trésorerie que pour les ponts des Camerounais, que pour les routes des Camerounais, mais pour le pétrus du petit Francky, pour son atalakou, pour sa fête, il n'y a pas un problème de trésorerie. Il n'y a pas un problème de trésorerie. Parce qu'il croit que vous mangez sa beauté. Vous mangez sa beauté, vous mangez son bonheur. Maintenant que vous avez vu comment les mamans ont fini de chanter son nom, vous êtes content. Oh, il est trop beau. Hein? Ah, il est trop beau. Oh, mon maman. Regardez comment il est mignon. Tu sens vraiment qu'il peut être un bon président tellement il est beau. Oui, vous êtes à ce niveau-là. Parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'il y a encore quelques temps, les mamans étaient... Pendant que ces mamans jouisseuses, c'est les plus dangereuses, les jouisseuses vieilles mamans que vous voyez ici, leurs collègues, leurs mères, sœurs, cousines, sont enfermées à la cantine. Enfermées. Depuis des mois, il y en a qui sont là-bas dedans depuis plus de 6 mois. Qu'on dit qu'ils n'ont pas, ils n'avaient pas payé les frais de que j'étais parti pour accoucher. Ils sont enfermés là-dedans avec leurs enfants. Ça, c'est la réalité du Cameroun. Et là, on est au Biamoroun. Ça, c'est un petit Biamorounais, le fils du roi du Biamoroun. Il est là et les gens sont en train de lui faire des courtisans. Il faut des courtisans. Pour lui demander s'il avait un peu de chance, il ne peut pas venir remplacer son père. C'est le processus. C'est le processus. C'est-à-dire que donc on finit de faire l'appel de l'Ouest, là je crois qu'ils ont fini avec, ils vont aller à l'appel du Nord, l'appel de l'Est, l'appel des deux vont finir, après ils vont dire que l'appel de tout ça. Vous voyez, si vous vous permettez à un parti politique, quand je vous dis que vous ne pouvez pas,
Vous ne pouvez pas aller vous cacher derrière les partis politiques d'opposition. Parce que ça, là, ce n'est pas une attaque d'un parti. C'est le peuple qui attaque. C'est la prison. Un parti politique, ça sert à transformer en eau courante, électricité, bonheur de vie, les efforts du peuple. Les efforts du peuple, c'est ce qu'un parti politique peut faire. Un parti politique n'a pas l'armée. Un parti politique ne peut pas libérer un peuple. Ne peut pas libérer un peuple. Un parti politique ne peut pas libérer un peuple. Non. Quand un peuple est dans ce type de prison, il n'y a que lui-même qui peut se libérer. Lorsqu'un peuple est bloqué dans ce type de prison, un parti politique ne peut plus le sortir de là. C'est lui qui doit donner la possibilité aux autres partis politiques d'exister. C'est le peuple qui doit redonner la force à l'opposition. Ce n'est plus l'opposition qui peut encore s'occuper du peuple. Ce n'est plus possible. Parce que pour se libérer de ça, un parti politique n'a pas la clé. Il n'y a que le peuple, lui, tout seul, action directe, qui peut dire non à ça. Mais si vous ne pouvez pas dire non à ça, vous voyez, c'est le même peuple que... Regardez un peu, par exemple, ce qui nous arrive. Quand vous voyez que je n'ai pas confiance, je n'ai pas beaucoup confiance en vous, les gars. Parce qu'on doit encore travailler la notion de peuple. Regardez un peu ce qui se passe avec Amdel. Regardez ce qui se passe avec le conseil Fally Ipupa. Regardez ce qui se passe avec le conseil Fally Ipupa. La qualité de service, la connexion, tout ça, c'est zéro. Vous vous plaignez de ça. Et qu'est-ce qu'eux, ils vous donnent? Ils vous donnent un conseil de Fally Ipupa à la place. Et ils vous insultent. Et vous êtes content. Vous vous insultez entre vous pour vous courir. Maintenant, vous dites que vous allez partir là-bas. La qualité de service que vous parlez là, ça ne vous intéresse plus. Est-ce qu'un parti politique peut vous sauver de ça? Est-ce qu'un parti politique peut vous sauver de ça? C'est-à-dire que vous voilà, par exemple... C'est exactement ce qui se passe avec le conseil Fally Ipupa. C'est exactement ce qui se passe avec la gestion du pays. C'est-à-dire que voilà des gens qui vous donnent une qualité de service la plus exécrable, avec très peu, avec rien pour s'en sortir en qualité. Un mode m'a écrit que je mets 3 000, ça finit. Dès que vous osez vous plaire et vous donne un conseil de Fally Ipupa, le conseil Fally Ipupa, c'est comme le pain sardine. C'est comme le pain sardine, c'est pour vous faire oublier que vous êtes en train de vous faire... Que vous êtes en train de vous faire... Non, les enfants. Et là, vous voyez, un jouisseur, il s'apprête. Et vous, vous pensez que les autres partis d'opposition doivent aller s'entraîner. Non, les enfants. Tant que vous-même, le bloc populaire, vous ne déciderez pas de vous libérer. Parce que là, vous la prison, là, quittez derrière les opposants. La prison aussi, là. Même les opposants sont dedans. OK? C'est le peuple tout entier. Quand on parle de libération d'un peuple, un peuple se libère. Ce n'est pas un parti politique qui peut libérer un peuple. C'est un peuple qui se libère lui-même. Ce n'est pas un parti politique. Aïe, les enfants. Il est important que vous le compreniez. C'était le premier podcast de la journée, les enfants. C'était le 8h du dimanche à la clinique. Love you, my people. C'était papa.